Salut YouTube, bienvenue pour cette sixième VOD, évidemment, de Dreamscaper. Nous allons essayer d'avoir ce boss 3 quand même. C'est pas possible cette histoire. On va essayer de trouver ce boss là, essayer de lui casser la tête. C'est pas possible. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, c'est ça. Mais c'est là. Liste de tâches. Passer du temps avec Fernando. Et oh, il va se calmer Fernando là. Alors, les têtes de loups jumelles, on n'a jamais essayé. Allez, c'est parti. C'est parti. Non, on va pas augmenter la difficulté, on a déjà du mal à battre le troisième boss, c'est bon. Enfin, je vais juste changer un truc sur les infos. Parce que là, puis Slay the Witcher, pas sûr. Voilà. Parfait. On va essayer de pas faire de la publicité mensongère. Hein. Et ça, c'est beau. Ok. Alors, voyons voir. Alors, c'est un peu lent. Mais faut voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il y avait un petit fantôme. Voilà, c'est parti. Ouais, ça, c'est quoi, ça? Un défi. N'utilisez pas l'attaque à distance. Pas de problème. Déjà, je me fais bolosser. Ah, c'est vrai que c'est lent, quand même. Hein. Ok. Des bombes, du soin. Et... pas ardent. Ça dépend. Ah ouais. Putain, on fait un dash de ouf, là. Bon, je vais le laisser parce que... ah, j'ai pas de clé. Myrte. Par contre, j'ai une bebon. Ah, c'était quoi ce bruit? C'est un bruit spécial. Est-ce que c'est pas la genre... ah oui! Ah, c'est quand on fait péter une bombe. C'est quand on fait péter une bombe. Oh. 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 Ah ouais. Un petit objet. D'armes là ou pas? Un ballon d'eau. Non, on s'en fout. Non, je préfère le pognon. Alors, elle fait combien de dégâts? Elle, 22 DPS. Ah, c'est pas beaucoup quand même. C'est pas énorme. Hein. L'attaque a dit quoi? Stance. Elle a distance en boucle. Bon, je vais pas améliorer mon arme tout de suite. Pour la bonne et simple raison que... ah oui, ça one shot? Non, mais ils ont pas de vie. Ok, c'était gratuit ça. Ah oui. Ok. Non, pas de choix. Mais il était là. Mick. Merci. Bon, ça c'est grosse énigme. Hein. Grosse énigme. Les couteaux 3. Ah bah oui, mais si tu me parles avec les sentiments... tant pis. Ah, mais alors là, putain, j'ai bien fait de pas améliorer mes trucs, là. Ah, mais c'est abusé. C'est abusé de ça. Invoque au compagnon qui vous protégera des attaques. Quoi? Ah, mais c'est doudou. C'est doudou didon. Doudou didon là, quoi. Idée yo-yo mégaton. Ok, lame tempête. Non, mais... oh là là, mais il me faut du pognon, mais là, je vais pas en avoir assez, hein. Avoir assez de pognon, c'est sûr. Merde. Par contre, je suis excessivement tenté d'aller améliorer mon arme 3. Ah oui, mais ça va me coûter la peau du huc. Je vais pas avoir assez. Ça. Ah oui, 360. Et on peut avoir un couteau de niveau 3, hein, ce qui n'était pas du tout le cas auparavant. Donc, Run the Dreamscaper. Boss 3, bordel. Euh...
On n'a pas de clé, mec. T'as pas de clé, mec. Alors ça, je sais pas trop, hein. Je sais pas trop le truc, là, de... Le problème, c'est que je peux pas vraiment les enchaîner. Ça, vous voyez, on peut faire ça. On peut faire tac, tac. Mais par contre, on va beaucoup moins loin, ça, c'est sûr. Des fois, je suis un... C'est vrai qu'on peut faire ça. Je suis pas trop chaud en réalité. Je préfère enchaîner les. Ah, je sais pas. On va un peu plus vite. De base. Pas beaucoup, mais on va un peu plus vite quand même. Voilà, ok. On va essayer comme ça. On va essayer comme ça et on va voir. Faut tester, faut tester les trucs. On est là pour apprendre. Un petit souvenir. Bah merci. Justement, on en parlait. Un petit défi. Vaincre tous les ennemis avant la fin du temps imparti. Ouh, j'ai pris un dégât gratos là. Vite. C'était gratos, mais pourquoi pas. Mini frigo augmente les dégâts des attaques de glace. Ah! Pas du tout des attaques de glace là, si. Frigo. Pourquoi je peux pas la sélectionner? Ah voilà, merci. Il y a aucune attaque de glace là-dedans. Ok. Oh là! Petite bombe. Petite bombe. Est-ce que je le fais péter ça? 666, c'est diabolique. Ah, une petite bombe gratos là. Oui, on va le faire, Ça vaut le coup. Ça vaut le steak. Calmez, oui. Il a réussi à me toucher. Hein. Faut pas que je fasse ça. Il faut pas que je fasse des attaques spéciales. Hein. Faut que je le fasse au bon moment, en fait, surtout. Ok. Tout à fait, absolument. 2h28 de stream, je confirme, c'est vrai. Esprit Shuriken. Très bien. Qu'est-ce que ça fait? Waouh! Naruto. On a deux clés. Voilà, deux clés, c'est moins cher que gratuit. Pas besoin de se soigner. Qu'est-ce que ça me file? Trois bombes. Perdu. C'était pas un souvenir, ça? Ah, là-bas, il y a un souvenir. Non. Ok. Les gants de boxe 2. Dégâts de foudre. Ouais, mais la foudre, non, ça m'intéresse pas. 2 plusieurs fois. C'est quoi cette rate de myrte? Les effets de foudre, 3 DPS de foudre, s'enchaînent 2 plusieurs fois pendant une durée de 4 secondes. Je comprends pas. Mais ouais, c'est moins intéressant. La forge. Attends, 1021, il y a moyen peut-être d'avoir des couteaux niveau 5 là. Ah, là on parle, là on discute. Là il se passe quelque chose, hein. Pourquoi tu t'énerves? Mais je m'énerve pas. D'accord. Pourquoi tu parles tout seul? Je parle pas. Si. Faites pas attention. Hein. Ah merde, j'aurais pu acheter aussi le compagnon là. Oui, mais là, non. Les dégâts des armes, c'est tellement fort. Ok. Allez, vous avez déjà vu. C'est là, hein. Il est où? Ici. Oh là, on lui casse la gueule. C'est terrible. Oh, il a déjà mis de life. J'ai pris un dégât ou c'est moi?
Putain, heureusement que je la protège. Hein. Et merde. Dommage. Il est où? Au revoir. Ok. Ah bah là forcément... plus un niveau aux trois objets équipés. Quoi? Un couteau 6? Aucun respect pour le boss. Non mais là, avec le coup... On a... C'est abusé. Je ne peux pas perdre. Les autres vont se moquer de moi. Oh, c'est terrible. Allez. Ah, dommage. Je pourrais pas monter à 500. Parce que là c'eût été le... C'eût été parfait. Qu'est-ce qu'on a, sinon? On a tout fait là. Putain, dommage, on peut pas. On peut pas acheter. Ah, quoi? J'ai pas fait ça? Un bouclier médiéval. Le compagnon améliorera occasionnellement les dégâts de Cassidy de 15% pendant 4 secondes. Moins 10% de consommation de lucidité. Non, mais c'est pas du tout. C'est tellement fort là ce que j'ai. Mais c'est magnifique ce jeu, presque aussi majestueux que le streamer, mais faut pas déconner. Tu l'avais jamais vu, Toto? Comment tu vas? Comment tu vas, mon Toto? Tu l'avais jamais vu celui-là? Dreamscaper? Il est joli, hein? Ah, écoute, il est à la fois tout doux et très punitif. Il est difficile et très, très sympa. Vraiment, il y a une... D'accord, ok. Écoute, Dreamscaper, ça s'appelle. Écoute, tout à l'heure, Slevin a fait un bon petit mélange. Tu vois, il y a une petite ambiance Merde, comment ça s'appelait? Ah, j'ai Deathloop dans la tête, c'est pas du tout ça. Le jeu, le Metroidvania avec l'oiseau. Death Door? Death Door? Quand le Nephalem se retrouve téléporté dans Far Cry. Dans Far Cry New Vegas, là, ou pas du tout. Je mélange tout, le mec. Far Cry New Vegas Crossing. J'en peux plus. J'en peux plus de moi. Sachez-le. Ok. Ah, et c'est la secrète, hein. Regardez. Qu'est-ce que c'était, la secrète? La secrète, c'était le truc, là. Le forgeron. 100%. Bim! On a fait un départ 100%. Là, ça, allez, on y croit. On y croit, c'est une belle run, ça. Ça, c'est la belle run. C'est de la run. On va se concentrer. Donc, oui, un mélange donc entre Death Door et Hades. Plutôt Hades et Death Door, tu vois. Non, on peut augmenter un petit peu les... notre... Ah, oui, je sais. Va-t'en. Laisse-moi combattre. Voilà, on touchote les ennemis, quoi. C'est terrible. 2, 3, 4, 5. Il a réussi à me toucher, ce bâtard. Mais putain, mais... Je voulais faire une attaque spéciale, ça a pas marché. Bon, c'est pas grave. On fait comme si de rien ne s'était passé, d'accord? Par contre, j'aime pas trop le dash là. Je peux pas l'enchaîner comme je veux et je me fais un petit peu. À Death Door. Quel génie. Cet homme est un génie. C'est un génie de la langue. Ça se voit, non? Paf! Reste par terre! Baisse les yeux! Pardon. Quelle violence! Ah non, ça c'est le boss! Ah non, c'est bon, je peux revenir en arrière. T'énerve pas comme ça. Pourquoi tu t'énerves?
t'énerve pas, calme-toi. Prends tes cachets. Oh mec. Qu'est-ce que c'est cette... Qu'est-ce que j'ai récupéré là? Ah oui, l'esprit shuriken. Je comprenais pas ce que c'était l'image. Prends tes cachets, Michel. On est à quoi? Ok. Vas-y, fais ce que t'as à faire là. Ouais, merci. Vas-y, fais. C'est bon? Oh là là, mais on est tellement craqué pour le deuxième niveau là. Je vais essayer de pas canner, hein. Ne pas canner. Attends, il y avait un souvenir. Un, deux, trois, quatre. Ah non, c'est quatre. Il faut que j'apprenne le timing. Qu'est-ce que c'est que ça? Idée. Coup foudroyant. Faites exploser l'ennemi en face de vous avec une frappe d'éclair foudroyante. Les projetant dans les airs. Ah, c'est pas mal ça. J'aime ce. On restaure de la vie ici. Est-ce que le souvenir est toujours là ou je l'ai... Ah non, c'est bon. Souviens-toi, la banque NCB de Red Haven. Le bâtiment de la NCB est si grand et imposant. Ah, mais c'est Ted qui l'a construit. La banque dans laquelle j'allais à doubler sa valeur sur le marché. Je ne me sens plus dans mon élément. Vous avez la ref? Ted? Le banque? Architecte? Je vous ai donné des indices là. Harpon aquatique. Explose en infligeant 15 dégâts d'eau supplémentaires. En infligeant, je l'ai fait mouiller. 45 x 3. D'accord. Et 15 x 3. Effet mouillé, c'est quoi? Je sais pas ce que ça fait. Ah ouais? Pourquoi pas? Je préfère ça peut-être. Ok. Ah, il y avait une petite... Ouais, j'ai 6 bombes, bien sûr, on va claquer notre pognon là. Notre bebon. C'est pas fou par contre. Ouh, 777. J'aime bien. J'aime ce chiffre. Calme-toi. Ah mais c'est bon, je suis encore protégé. I am protégé. Raté. Arrête de faire le cake. C'est bon. Je dash presque trop loin. Je dis presque hein, parce que bon. On est inspiré. Ok. Donc, quoi, ce qui est cool, c'est une bonne nouvelle, on a de quoi se soigner. J'ai pris un coup, mais putain, mais... J'arrive pas à le timer, ça. Quel vulgaris. Ah, vous avez entendu? Je le sentais qu'elle était là. Oui. Je l'ai senti. Oh, stylé. J'aime bien cette salle. Je la trouve très stylée. Ah, une petite acrobatie niveau 3. Gratos. Traînée de flammes. Ah bon, là aussi? Ah non, c'est ça. 15% de résistance aux fausses rouges. Mais je m'en fous un peu, j'avoue. Alors que... Non, pour le coup, non. Je préfère... C'est gentil, mais je refuse. Je suis pas trop fan de ce dash, hein. J'aurais dû garder l'autre. Parce que là je peux rien faire. On glisse là, le moment où elle glisse à la fin là, c'est... En termes de feeling, c'est pas GG. Ah
Je m'excuse à mes genoux terre. Calme-toi. Bon, je vais arrêter de pas trop prendre la confiance non plus parce que... C'est pas non plus foufou quoi. Ouais, là, on peut y aller là. J'espère que c'est intéressant. Hein. C'est pas juste un truc merdique. Comme ça par exemple. Un katana niveau 4. Ben non. Non. Ah, les os, mais pas le katana. J'adore les katanas, mais... Là, on a des couteaux niveau 6. Hadès d'or. Parce qu'il est fatigué. Putain, je l'avais pas vu, pardon. Moi, je peux racheter ça. En traître, quoi. Quoi? Vraiment? Bon, c'est fini. Ah oui, non, c'est vrai que c'est pas un ennemi. On récupère tout le pognon possible. C'est pas un marchand. À chaque fois, je vois le pistolet à eau 1002. Qu'est-ce que c'est que ça? À la place de la gâchette optique. Peut-être, hein? Ça fait quoi? Ah, c'est comme l'autre, mais on lui pisse dessus. Allez, d'accord. C'est validé. Le feu, c'est quand même, ça fait un peu plus sérieux quand même, mais bon. Quoi? Quoi? C'est dégueulasse. Enfin, madame, ne faites pas ça. Un petit marchand. On a quand même pas mal de pagnon. On a du pagnon. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau ici? Tous les projectiles ou rayons ricochent sur un ennemi supplémentaire. Projectiles ou rayons en ricochet. Alors je sais pas si c'est très efficace contre les boss, mais bon. Maelstrom 4. Ouais. Poêlé 4. Comment ça? Par contre ça coûte très cher, mais un kunai. Les kunai. Plus de vie et plus de sable collecté. Mais c'est des passifs ça? Si c'est des passifs, c'est abusé. Ça aussi, c'est excessivement abusé. J'ai envie de prendre ça, mais je suis pas sûr que ça soit ça. Ah, mais j'aurais pas assez. Ah, merde. Ça, c'est fort quand même. Avec le couteau, là, c'est peut-être pas mal. Hein. Ça, ça ferait quoi? Je pourrais acheter ça aussi. Les kunai. Mais est-ce que je dépense tout mon pagnon? Non, j'ai envie d'essayer ça. J'ai envie d'essayer ça. Ouais, juste ça. Okay. Ne prenons pas de risques. Soignons-nous. Même si c'est pour peu, mais c'est pas grave. La qualité de ce streamer baisse avec le temps. Mais je te merde. Non! Non, non, non. Je me trompe à chaque fois. Tendre la main. Allez! Prends des dégâts, hein. Prends ces dégâts. Hein. Je t'insulte pas, je te fais un remerciement dédicacé. Allez, meurs. Oh, défoncé. On l'a juste éclatox. Allez. Ah, on y croit, là. Mais des bisous, mais mon bébé. Surtout... Ne m'en voulez pas. Comment tu veux...
Moi, je peux pas. Je pense que si j'en voulais à quelqu'un et que tout d'un coup il déclenchait ça, je suis là. Oui, Michel, ça va pas du tout, hein. Mais. Arrête! Non! Ah, je suis vachement énervé, hein. Ça suffit maintenant, hein. Tu peux pas. Arrête! Et ouais, tu vois, ça me donne. Ça m'ambiance direct. Zéro respect, level 2. C'est vrai. On est full life. C'est beau. Augmente la vie. 30% génère une pièce d'équipement légendaire. Quoi? Mais... Quoi? Ok. Bon, on a tout fait là. Est-ce que c'est la run? Ne t'emballe pas trop, ne t'emballe pas trop. À double 100%, éclatage de boss, en règle. Bon, là on sait que le niveau 3 c'est pas la même. Hein. Donc on va se calmer tout de suite là. Je parle surtout pour moi. Hein. Vous, si vous n'avez pas envie de vous calmer, vous avez le droit. La rareté de l'équipement augmente dans l'ordre suivant. Blanc, vert, bleu, violet et or. Merci Micheline pour ces explications pleines de bon sens. Calme-toi. 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 Merde. Je le fais exprès. Arrête! Pas comme ça! Mais pas mourir comme ça! C'est ridicule! J'ai pas compris ce qui s'est passé! Calmez-vous. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qui se passe? Tellement dur ici. On est sur un tellement durisme. Oh putain, mais non, je m'en fous de ça. Je m'en bats les couilles de ça. Putain, mais je me suis fait défoncer quand je fais une connerie sur mon boulot. Des fois, on entend dans le bureau « Ne m'en voulez pas !» Ça, c'est pas à cause de toi. C'est pas à cause de moi, ça. Tu assumes, hein. Assume tes ne m'en voulez pas. Assume la poésie, quoi. Putain, je suis un sac. C'est décidé, je suis un sac. Franchement, je me casse. Hein. Si je meurs là-dessus, franchement, je serais deg. La vérité, je serais deg. J'ai pas lu. Bah, tant pis. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi, la place des couteaux? Bah non. Même pas envie de savoir ce que c'est. Je m'en fous complètement. Putain, mais je suis deg. Je suis tellement deg, là. J'ai perdu toute ma vie, là. Deux fois que ça me le fait, hein. Tellement gratuit, en plus. Je me concentre, hein. Ok. Ah, mais il me file pas de... Des fois, il n'y a aucun soin, rien. Le jeu te dit, chais. Tant pis pour toi, t'avais qu'à mieux jouer. Joue mieux. Oh non, mais pas le gros. Pas lui. Je le déteste. Peut-être là, je peux me soigner.
Ah si, je l'avais pas vu. Chez. Au secours. Fontaine de vie. Et un marchand avec une... Ah, ça c'est bien ça. Idée... Ah non mais je veux pas des idées, moi je veux des passifs. Des trucs qui pourront vraiment m'aider. Représailles. Effet vol de vie. Mais c'est quand je l'active. J'arrive pas à savoir si c'est quand je l'active. De récupération de vie. Non. En vrai, je vais faire ça. Acheter une clé. Je vais me soigner. Je vais explorer un peu le lieu. Je vais essayer d'aller jusqu'au boss. Je vais garder le soin pour la fin, juste avant le boss. Sachant que... Ah non, mais j'ai plus les points d'intérêt là, je ne sais pas où est le boss. Bon allez, il faut que je me concentre là. Le jeu me relance. Le jeu m'a relancé. Ça a l'air de bugger là. Ah mais il se protège, vraiment? Ah, il a un bouclier, ok, d'accord. Moi j'ai tout mon temps hein. Ah, je te fais un petit massage du dos là. C'est bon ça. Faut vraiment pas que j'oublie d'utiliser mes... Comment on appelle ça? Mes couteaux là, hein. C'est très très fort. Hein. En vérité. La vérité. Cible robuste. Vous subissez le double des dégâts par les projectiles, mais vous ne recevez que la moitié des dégâts de tout le reste. Alors, je suis pas convaincu. Je vais le laisser là pour l'instant parce que j'ai pas envie de le détruire tout de suite. Mais je suis pas sûr que ça soit une bonne idée en vrai. Il a réussi à me toucher. J'aime pas ce dash. Quoi? Il peut y faire ça? Je savais pas. C'est bon, c'est bon. On peut se soigner. C'est pardonné. Je connais pas encore bien, suffisamment bien ses ennemis. Ah, j'ai cru qu'il y avait un truc. Fasse gaffe là parce que c'est... Ah non. Ah c'est ça, c'est... Les trucs du milieu là disparaissent. Ça fait un effet tant qu'il y a des ennemis. Sinon une fois que t'as tué tous les ennemis de la salle, ils disparaissent. Des os, ah mais Ok. Ah, il y a une potion ici. Une petite bebon là. On peut prendre tout ça. C'est moins cher que gratuit. Le boss. On a trouvé le boss. Qu'est-ce que ça peut faire ça? C'est quoi?
20% de vie pour une clé? Non. Non, 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 non. Non. C'est gentil, mais non. Mais non, merci. Calmez-vous, madame. Que se cache-t-il ici? Ah, je donne tout là, hein. Je vais tout racler, les fonds de tiroir, tout. Tout ce que je peux. Il n'y a pas de forge, hein. Je sais pas comment ça s'appelle normalement, mais cri primal. Brûlure. Quoi? Alors, ah oui, alors attendez. Je vais vérifier un truc. J'aimerais vérifier un truc. Là, on a combien de vie? On a 153, d'accord, ok. Donc là, si je prends ça à la place de, genre, plus de lame. 162, ah ouais. Ah. Ah. 10% de récupération de vie, ça veut dire quoi? Pourquoi la récupération de vie? Peut-être quand on prend... Ah, et c'est peut-être quand on prend des soins, ça nous donne plus de vie. C'est possible. J'ai une arme de ninja. Pour cent de vie max. Ça veut dire tu meurs pas. Ah ouais, ça c'est pas sûr. Hein. Ça c'est pas sûr, Jelly. Comment ça va, Jelly? J'espère que tu vas bien. Comment te sens-tu? Ça fait quoi? Stressé et fatigué, mais ça va. Forza, forza, forza! Forza, Jelly, je t'envoie tout plein d'énergie, particulièrement en ce moment. Cette semaine-là. Ah, je voulais t'envoyer un petit massage. Mais. Ouais, tu peux y aller, bébé. Hein. Tu peux envoyer du love. Esprit shuriken. Tu peux le faire toutes les 3 secondes, c'est ça? Vraiment? Ouais, ouais. Un peu de compagnie, distraction ce matin. Écoute, viens, tu es la bienvenue. Lui de l'âme. Ça fait quoi ce que j'ai là? Cri primal. Brûlure. 9 DPS de feu pendant 4 secondes. En vrai, c'est pas fou. Ça me fait un peu plus de vie quand même. Hein. Pas dégueu du tout, mais. Non. Je peux te prendre le pognon et. Me TP. Au marchand, qu'est-ce qu'il y avait au marchand qui pourrait game changer un truc? Cette rude semaine. Le grand chaman de la gentillesse, c'est ça. Fusée éclairante. Attendez, parce que vol de vie, ça quand même, en vrai, ça là, je me tâte, hein, parce que si je peux voler la vie, vol de vie, on est d'accord que ça me remet de la vie quand je frappe. Les dégâts d'eau, on s'en fout. Vimax, quand même, par contre, c'est fort. Mais j'aurais pas mon bouclier, quoi. Ah, je suis tenté, quand même, de prendre ça. Mais je crois que c'est à la place de mon bouclier, là. Mon bouclier qui pop toutes les 5... 20% de chance... qu'une parade active une surtension en voyant les ennemis valdinguer. Sauf que je ne fais jamais de parade, je n'utilise pas la parade. Si tu pouvais la vie, ben techniquement ça va être toi un tueur. La vie, est-ce qu'on pourrait avoir la vie d'une spécialiste? On va essayer. Allez, on va essayer. Barrière de cristal, absorbe une attaque, se recharge toutes les 20 secondes. Ah, je sais pas en vrai, c'est ça absorbe une attaque quand même, la barrière de cristal, je trouve ça tellement fort. Bon, allez, on essaye. Merde, on essaye.
Ah, sachant que là, est-ce que j'ai... J'ai de l'armure. J'ai 66 d'armure. De base, ça me donne 66... Et comment je... Ah, comme ça. Je sais même pas comment me parer, quoi. Pour vous dire à quel point... Où on en est. Là où on en est. J'ai laissé un objet ici? Ah oui, c'est vrai. Est-ce que je tente l'aventure? Je prends moins de dégâts. C'est 100% de dégâts. Deux fois plus de dégâts des projectiles. C'est pas une bonne idée en vrai. On enlève ça tout de suite. On va se soigner pour être au maximum de notre vie. Et là, je sais plus quoi faire. Allez. 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 On y croit. Ah putain. Je suis d'humain. Je suis d'humain. Comme ça, au moins... Il est où? Il m'a mis un dégât là? Le petit bâtard! Utiliser mes pouvoirs. On lui fait mal. Faut péter ça. Il soigne. Attention. Il est horrible. Il saute après, non? Allez! Tout ce qu'il y a pour essayer de te changer les idées. Tu sais super bien. Oh, c'est beau. Ah, vis-à-vis du monstre, se fait absorber. Allez! Ah, first try, hein? First try, évidemment. Augmente la vie, améliore la vitesse de déplacement. Une luge. Ouais, ouais, c'est vrai ça. Jelly vit la vie du monstre se faire absorber. Son avis vis-à-vis du vol de vie, c'est très catégorique. C'est vicieux vis-à-vis de la loi. Les gars, t'es pas juste le chaman de la gentillesse, tu es aussi le big boss des assonances. Ah ouais, non, il est trop fort. Bébert est trop fort. Sachez que Bébert, best bro ever. Alors. Ah non, attendez.
meilleure utilisation. Je savais que ça passerait cette fois-ci. En faisant des dégâts, c'est mieux. Dépenser 20% de vie. Oui, rien à foutre. Pourquoi? Ok. Parce qu'on a ça. Mais je sais pas si me parler d'illégalité me change beaucoup les idées. Oups. Voilà, tout est pardonné. Le marchand. Ah, après, on connaît pas, hein. On n'y est jamais allé. Hein. On a une clé. Bon, le breakdance. Bon, le vol de vie, j'ai pas trop vu, hein, j'avoue. Je me suis pas trop concentré sur ça. Pouh, c'était chaud quand même. Il est vraiment chaud celui-là, je trouve. Je trouve qu'il est vraiment difficile par rapport aux deux autres. Ah, c'est parti! On n'a pas trouvé la secrète. Bon, je l'ai pas cherché, vous allez me dire. Oh! C'est nouveau ça. Eh oui, eh oui, on débloque un truc là. Il ne reste qu'une solution. Jutsu! Ne m'en voulez pas! Pardon. Excuse-moi, Cassidy. Je dois bien ça à Bébert quand même. Ça va? Ça a pas l'air, hein? C'est le regret. La phase des regrets. La peur, la solitude et les regrets. Ah si, on a fait le 100%. Voilà, c'est la run des 100%. La descente. Ça a l'air... on est sur du... on est sur un petit plaisir. Un petit côté très positif. Merci. Merci pour le GG. C'est gentil. Oh là là. Oh, oh, oh oui. Oh, petite ambiance. Petite ambiance. Alors, les souvenirs n'ont pas de niveau. La puissance, généralement des dégâts, augmente par rapport à je ne sais pas. J'ai pas lu. Alors, qu'est-ce qu'ils font les ennemis ici? Comment ça, ils se soignent? D'où ils se soignent? Ah, le feu, ça les soigne? Oh, ils ont beaucoup de vie là. Allez. C'est bon. Ok. Alors, et devant son lit, sans move une oreille, et derrière le titre, c'est la descente. Peut-être, hein. Ah, on a de la vie ici. Ah, c'est cool. On en aura sûrement besoin, hein. Spoiler alerte. Oui, mais bien sûr, reste là. Mais putain, trop d'ennemis là. Mais putain, mais... J'aime pas du tout ce dash, j'aurais jamais dû le changer. Je suis deg. En vrai, je suis deg, hein. Putain, j'ai envie de découvrir un peu le niveau, là. On l'a pas, le niveau. Ouais. Là, il a anticipé. Il m'a tiré dessus à l'endroit où j'allais atterrir. Ils ont une intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que c'est que ces conneries? Je suis déjà en train de décéder. Mais non, mais... Mais là, elle va mieux. Elle va mieux. Regarde, là, je suis sûr que ça la fait rire. Que je me fasse bolosser comme ça, comme un kika. J'en suis sûr. Je suis sûr que ça la fait marrer. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Raté. Ok. Oh putain. Pas de problème. Oh, il en a rien à foutre, man. Je sais pas trop ce qu'il fait. Ok. J'ai dashé. Il est nul ce dash.
Ah, je l'ai pas, j'aurais jamais dû changer de dash. Ok. Oh, quel dommage. Putain, mais tout ça pour ça. Je suis deg. Au secours. Est-ce qu'on a débloqué le trident là? Ah oui, celui-là là. Il avait l'air rigolo. On va prendre le trident. Ah, je suis à dégoûter. On allait loin en tout cas, c'était cool. En vrai, c'était cool. Bande antitranspirante avec un motif géométrique. Mais ok. Photo artistique d'un voyage étranger. Photo des rues de Red Haven. Peinture d'un paysage serein. Dessin d'une puissante héroïne. Qu'est-ce qu'il pourrait... Lui, il aime les sonnets fantasy. Il aime pas les poèmes, par contre. Il s'en bat les couilles des poèmes, et les sonnets fantasy, oui. Bon, en vrai, l'essentiel, c'est Bruce. C'est surtout Bruce avec qui j'ai envie de partager des trucs. Une recette. Nouvelle recette. On a quoi? 8. On peut débloquer un nouveau truc. Ah, la guitare. Amusez-vous et faites envoyer vos ennemis valdinguer grâce à la puissance de cet accord mortel. Mais ça, c'est quoi, ça? Faites sortir vos ennemis avec force hors de l'eau. Hors de la terre? Avec de l'eau? Oh, je sais pas. Ok. Combien? 12? Plus lent, mais plus puissant. Pour les amateurs patients d'attaque à distance. Ah! Ah, intéressant. Salut, Tamal. Je peux t'offrir des cadeaux, mais je suis un peu radine. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, Karl, dis-moi. Papoton, Karl. Karl demande à Cassidy si elle la série de science-fiction qu'elle préfère. Star Adventure ou Star Battle? La découverte. Ouais, découverte science-fiction. Très bien. Ah non, une discussion. Et merde. Hey! Le gars du journal! Oh, c'est toi! Je sais pas quelle voix je lui avais donnée, hein. Tu te souviens pas de moi? Bah. Tu sais, moi, je m'en fous des gens. Désolé, c'est pas de ta faute. Je rencontre beaucoup de gens. Quand même. Tu as mis une de mes citations dans le journal. Abrutiment. Il n'a pas été très utile. Bah, c'est surtout mon talent qui n'a pas été très utile. Quel était le sujet de l'article? Celui du permis pour le parc. Ah oui! Ah oui, je me souviens de cet article. Mais par contre, toi, je me souviens pas. Toutes mes excuses. Cassidy. Cassidy. Ah, toi aussi, tu t'appelles Cassidy? Mais qui est con? C'est juste de l'écriture d'articles sur le sujet n'est pas vraiment ce que je préfère. Donc, encore une fois, ça n'a rien avec toi. C'est juste que j'oublie rapidement après. Tu ne choisis pas sur quoi tu travailles? Ah bah non, hein. Eh bien, les options pour un emploi d'écriture ici sont limitées. Oh Dieu, Monkey, merci! Merci pour ton rééquilibrage pour les 6 mois. Merci, Monkey, merci, merci. Donc, tu parles le premier rapport qui se présente. Merci beaucoup, mon Monkey, comment vas-tu? Ah, merci beaucoup, ça me touche. Et puis tu finis la dérive et le temps qui passe. Oh mais non, Michel, là, c'est bon, on s'en fout, ton histoire, là. Existe-t-il vraiment une destination? Certainement connu, ma part de... On est déjà à la fin de la semaine. Ah oui, exactement. J'espère que tu vas bien, mon petit monkey. Passé une bonne soirée avec Fromage hier. J'imagine que t'étais avec Fouloute. Fouloute, 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 Fouloute. Fouloute, Fouloute, tac, tac, tac. Pardon. Ah, on va parler à Eve. Papoton avec Eve. Eve raconte à Cassidy comment se déroule la restauration de la moto vintage. Ah, elle aime les motos. Ça va et toi, mon bon Eki? Et vous dans le chat, merci encore pour ton rééquilibrage, c'est beau. C'est gentil. Très gentil. Très vrai. On a 40. Oui, bon, on débloque la source de lucidité dans le renouveau. Non, mais en vrai, non. Non, on va garder notre poignon. Choisir entre les récompenses dans le départ. Comment ça? De choisir entre les récompenses? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Quoi? Moi, j'ai jamais vu ça. 1% de vie. Votre rang... Plus une clé. Mais j'avais jamais vu tout ça. Débloque la capacité de générer du sable à partir de ressources en surplus dans le départ. Chaque rang qu'on fait a une rareté de plus 5% des objets. C'est très fort, ça aussi. J'étais là pour Fouloute. J'imagine.
J'ai juste vu qu'il avait fait du full loot. J'ai pas eu le temps de passer, mais je vous ai envoyé plein de bisous. Ça, c'est sûr. À travers le monde des rêves. C'est fort, ça. Allez, vas-y. 1%, c'est pas grand-chose, mais petit à petit. L'oiseau fait son nid. Alors, Bruce, est-ce que tu veux qu'on parle? J'ai pas de cadeau pour toi. Mais dis donc. Tiens. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs... Genre, j'ai vu un 250 là. Donne un compagnon de départ avant une nouvelle partie. Ah, c'est sympa ça! Double introspection, les fragments et l'inspiration collectés jusqu'à ce que les dégâts soient reçus. Ah! Un plan financier. Plus 1% de sable collected. Ah, pas mal aussi. Les dégâts des compagnons, ouais. On n'a pas un truc du genre... les dégâts à tour, ouais. 1% de dégâts en plus pour ça. Et on va débloquer le compagnon, c'est pas très rigolo. Voilà, comme ça c'est fait. Comme ça c'est fait. Est-ce que tu as fini les travaux, bébert? Dis-moi. Dis-moi. Ah oui. Une bouteille de pinard, c'est ça? Il faut que je lise quand même. Fernando donne à Cassidy son avis sur le dernier film à succès. Ah, il aime les films. Le cinéma. Ah non, mais on le savait. Allison. Papotant avec Allison. Allison bombarde Cassidy avec tout son savoir sur les chats. Ah, elle aime les chats. Animaux, en tout cas. Ok. Ok. Je sais pas moi. Bon, Rose. Ah, un nouveau truc, là. Biscuit en forme de renard. Ah, intérêt pour les animaux. Ah bon, mais j'avais pas. Ah, mais je croyais qu'il y avait un point d'intérêt. Pas du tout. Et si on faisait un biscuit en forme d'animal? D'animals. C'est où? Tiens. Et on va le filer à Gisèle. C'était qui? Putain, ça, je sais plus. Je crois que c'est elle, là. Non, c'est pas elle du tout. Je me réveille toujours des verres. Une bonne nuit assez longue. Ah, ça faisait longtemps, donc ça va plutôt bien. Juste le réveil qui est compliqué. Écoute, prends ton temps. Hein. Non. Café? Non. Bah, elle est où? C'est qui? C'est elle, peut-être? Oui, c'est elle. Un cadeau. Tiens, regarde. Oui, elle aime les animaux. On n'a pas débloqué de... Quel dommage. J'aurais tellement aimé entendre l'histoire de Allison. Je bois mon café, là. Ah, ça, c'est bien, ça. Ouais, tranquille, hein, tranquille. Tranquille, mon petit manque. Tranquille, évidemment. D'ailleurs, tu me rappelles que je n'ai pas fini le mien. Merci. Merci, Monkey. Merci, Monkey, dit Luffy. On pourrait rendre ça plus difficile, d'accord? Non. 50% de dégâts reçus. Ah, ok. Ah, taille des niveaux. Mais ça, c'est peut-être pas mal, en vrai. C'est juste plus long, quoi, c'est tout. Mais sinon, c'est pas mal. Est-ce qu'on essaye... Mais ça fait quoi, du coup? Récompense, 10% d'introspection, fragments d'inspiration, décoration d'appartement amélioré. Mais s'en fout. On va arrêter de faire le cake. Ah merde, je me suis trompé. On va lancer une petite run. Hein. C'est une petite run. La petite run. Ah, quel dommage. Oh là là, c'est lent, c'est si lent. Ah ouais, ok. Ça fait combien de dégâts? 28 DPS. Oh, quoi? Ah ouais, pas mal. Parce que là, ça là, ça peut pas être contré, je pense pas. Même ceux qui attaquent super vite, ils peuvent pas vraiment contrer ça, je pense pas. C'est pas mal pour foncer sur un ennemi. Ah, on la voit valser en plus. Ah,
Intéressant ça, j'avoue. On dirait que ça fait des dégâts de zone aussi. Une clé. C'est quoi ce reflet là? Non, c'est rien. On dirait... Presque envie de tenter ça. Est-ce que ça marche? Oui, c'était ça. Ah, bien vu. Bien vu l'aveugle. Collection de bandes dessinées. Oh, trop bien. Un passif. Ça, c'est beau. Et ça, c'est beau. Enfin, je crois qu'on a laissé des trucs par terre, non? Oui. On peut oublier, quand même. On a besoin d'une clé pour aller en bas. Ok. Ici, un défi. Un défi fou. Ah, ça fait bizarre presque de dash si peu, mais... Mais non, on n'a pas le temps de finir froid. Je n'ai jamais traîné mon café. Je l'aime bien chaud. Mmh, ouais, moi aussi. Moi aussi, mais le streaming me happe. Le streaming me happe. Un souvenir. Le basket. Terrain de basket. Le basket. Mes rêves de carrière de basketball se sont effondrés après qu'un poignet cassé m'est sorti du jeu à l'âge de mes... Je sais plus combien. C'est super intéressant ce que tu dis, Cassie. Je suis super content pour toi. Mais mec, il y a juste des portes là. Est-ce que tu peux jouer au jeu, s'il te plaît? Pouvez-vous jouer au jeu, s'il vous plaît? C'est craqué quand même. Hein. Il se passe quelque chose quand même avec cette arme. Mais il faut la gérer. Parce que ça fait pas tout, mais ça permet de... Ça permet quand même de taper. Oui, c'est le principe, hein, on est d'accord. Mais quand même, j'ai envie de le dire. Ah, ok. On en est là. Bah non. Si. Comment ça? Quoi? Ok. Merci. J'ai chié deux secondes, mec. Bah non. Vraiment? Non. On peut pas être bloqué par ça. Ok. Ok. Mais toi là. Étoile des neiges là. Ah mais du coup oui d'accord, ok. Non pas du tout, ça marche pas. Vraiment? Ah ou alors comme ça. Ben non. Ouais, c'est la première fois que je suis bloqué sur une de ces énigmes. Eh non, c'est pas possible. Je suis obligé soit de faire ça. Ça, c'est pas la peine. Non, c'est obligé que ça soit là. Donc c'est obligatoirement là. Ah, alors là. Ça, elle est pas mal. J'avoue, elle est pas mal. Non, ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Si c'est pas là... Bah non. Oh bah ça! Ça alors! Je l'ai pas. Ah. Un Brutty Man. Ok. Je l'avais pas visualisé celui-là. Cri primal, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas. On est sur un pourquoi pas. Il y a un petit temps de chargement, mais ça se gère. Hein. Et paf! Allez. Cette arme est craquée quand même. Salut Kikili! Kikilibrium! Non, là c'est un petit peu trop... un petit peu trop narcissique ce que je viens de faire, non? Kikilibrium quoi. Comment vas-tu? Bienvenue à toi.
installe-toi bien, on est en train de faire un petit roguelike, comme tous les matins. En tout cas, les streams matinaux ont fait des roguelikes. Je crois que tu étais venu pour Road, me semble-t-il, pour Road 96. Ok, mais c'est un peu narratif aussi. J'aime bien quand même les jeux narratifs de base, donc je peux en intégrer. Vent de Cortonasso. Mais c'est à la place de barrière. Prenons le pognon. Hop. Qu'est-ce que tu nous proposes ici? C'est quoi ça? Les parades réussies augmentent temporairement le taux de dégâts général. Paré améliore le taux de dégâts général de 20% pendant 3 secondes. D'accord. Sauf que je ne pars jamais. Lance-pierre, d'accord. Gâchette optique 3. Oui. Oui, oui, mais déjà j'ai pas de pognon, et puis vos trucs c'est de la myrte. Alors attends. Où puis-je me rendre? Une bombe et une clé. Ouais, on va le faire là. Ouais, on va aller sur toutes les. On va aller sur toutes les. Toutes les cases. Les gars, faut vous renouveler quoi. Les kunai. Kunai 2. Gâchette optique ou kunai? Je sais pas. Tu t'intéresses un peu aux monnaies virtuelles? Écoute, pas du tout. Pas du tout. Enfin, je vois un peu, évidemment, les crypto-monnaies et tout ça, je vois ce que c'est, mais... non, je suis pas du tout... je suis pas du tout, comment dire... féru de ça. Non, pour l'instant, je prends pas les kunai. Je garde... Il est pratique pour le premier boss. J'aurai sûrement l'occasion de le changer plus tard. C'est pas sûr, mais... Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, là? Attention. N'utilisez aucune attaque de mêlée. Je me suis trompé de bouton. Bah du coup c'est perdu. Mais putain! Mais ça sert à rien, j'ai déjà perdu le défi. Autant le tuer. Comment prendre des dégâts pour rien? C'est un truc qui t'intéresse toi? Tu es un cryptoman? Cryptoman. Ah oui, ok. Je vais me soigner. Après ce dégalette, comme on dit. El famoso dégabette. Qu'est-ce qu'on a ici? Soigner pour... Ah non, je suis déjà à 100%. Débloquons. Qu'est-ce que tu proposes? Ah, c'est moins craqué que tout à l'heure. Hein. On va moins rouler sur le jeu là. Chaussures acrobatiques. Ah, surtout qu'en plus, on nous propose vraiment de la merde. Tout la merde. Tout la merde. Non plus de base, mais là, il y en a une toute nouvelle qui sort officiellement en septembre, mais tu peux déjà en gagner en téléchargeant l'appli. Et juste en marchant. Hein? C'est le Sweet Coin. Apparemment, sa valeur est déjà à 700 euros le Sweet. Ouais, il n'y en a pas eu plein des monnaies comme ça qui étaient à je sais pas combien et qui ont fini par disparaître quoi. Ah dommage, ça faut qu'on le cale celui-là. J'ai pris le dégât? Ah ouais, ok. Il est où?
peux le refaire, non? Oui. Eh merde, j'ai pas le temps d'y aller. Ok, ok. Le Sweet Coin. J'ai un pote qui... Ah, dommage. Il l'a eu? Ah ouais. Quel dommage. Au revoir. Ok. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? La vie max et dégâts de vent. Est-ce que c'est des dégâts de vent moi que j'ai? Putain mais ça dit pas quel dégâts, quel genre de dégâts ça fait. J'imagine que ce serait précisé sinon. Ok, merci pour l'info. Mon petit monkey. Le Sweet Coin. Ok. El Sweet Coin. El famoso Sweet Coin. Il n'y a pas de petit profil. Hein. Ah, il y en avait deux ici en plus. Et perso, j'en ai 65 déjà. Je sais pas si elle disparaîtra, mais actuellement, on est plus d'une dizaine de millions dessus. Et honnêtement, il n'y a rien à perdre vu que le farm se fait juste en marchant. Du coup, c'est une appli... Oui, en fait, tu payes rien. Ah, tu les achètes pas en fait, tu les récupères en marchant quoi. Putain, il faut que je dise ça à un pote là qui fait tout en marchant et qui s'intéresse aux crypto-monnaies. On dirait que c'est la crypto-monnaie juste pour lui, c'est pour Quantus. Il s'intéresse à ça, Quantus. Et en plus, on a un truc entre nous, c'est un pote à moi. Souvent, quand on joue en coop à des FPS ou des trucs comme ça, pas en ligne mais contre des bots ou des trucs comme ça, on cherche toujours le sweet spot. C'est notre truc, de chercher un sweet spot pour faire bugger le jeu. 1000 pas égale un sweet coin. Vas-y donc, t'en fais des pas. Vas-y donc, ça donne envie de marcher, mais c'est génial. Et un sweet coin, le sweet coin, il a 700 boules. C'est-à-dire, un sweet coin, c'est 700 euros. Tu fous ma gueule? Mais non. Comment ça marche? Je suis nul man, hein. Je suis nul man avec ça. Je suis pas bon, hein, tous ces trucs... Ça me dépasse. 1000 pas, un sweet coin. Un sweet coin, 700 euros. 1000 pas, 700 balles. C'est pas possible. C'est impossible. Tiens. Mais. On leur fait pas de dégâts. Ah, mais c'est vrai que tout à l'heure, on était craqués. C'est trop lent. Oh mon dieu. C'est beaucoup trop lent cette arme. J'avoue par contre, cette attaque là, c'est quand même assez craqué. Parce que du coup les ennemis ils ont le temps de rire. Ok, ok. Peut-être qu'il... Ah, il y a peut-être moyen. Allez, il y a peut-être moyen. On va pas... Ça va être estimé à 700 euros le sweet coin. Tellement il y a d'affluence dessus. Ah bon? Mais là, genre là. Mais c'est abusé. Parce que si t'en as 65 et que tu le vends maintenant, tu te fais quasiment... Tu te fais 6000 balles. Même plus que ça, qu'est-ce que je raconte? C'est quasiment 1000 balles. Donc tu t'as 65 000 euros presque là? Enfin, 40 000 euros. Qu'est-ce que c'est, connerie. Tempête. Cri primal. Oh, je suis pas super fan du cri primal. Même si je sais pas ce que ça fait, donc... Je vais faire péter un truc ici, mais...
En même temps, c'est une des premières crypto-monnaies où tu investis, dans lesquelles tu investis, sans pour autant investir d'argent en fait. Enfin, que tu achètes sans investir d'argent. Si je comprends bien, c'est ça ? Après, ils vont me prendre mon opa, mais il faut attendre que la monnaie sorte en septembre pour pouvoir faire des investissements, etc. Ok. Et c'est intriguant quand même cette histoire. Il faut avouer que c'est intriguant. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ah, on a un souvenir là. L'heure de la pizza. Ah, une petite pizza. Ça fait longtemps? Rien ne bat les cheeseburgers de Burger House, mais... manger une part de pizza en fin de soirée est presque aussi bon. Presque. C'est vrai que j'aime bien les pizzas, moi aussi. Pizza. Ok. En soi, si on traduit sweatcoin égale monnaie de transpiration. Ah oui, c'est sweat. C'est pas sweet. Je suis con. Bien sûr, bien sûr. Sweat, la sueur. Bah oui, bien sûr. C'est du génie. En vrai, c'est rigolo. Calmez-vous là, tous les deux. Baf. Cette arme est sympa. Je suis pas convaincu, mais... ah, il y avait la secrète. Cool. On a découvert la secrète. Cible robuste. Vous subissez le double des dégâts des projectiles, mais vous ne recevez que la moitié des dégâts de tout le reste. On va essayer. On va essayer. On va se prendre des projectiles dans le huc. Paf. Petite secrète. Je sentais que c'était ça. Oh, c'est un passif, ça, non? Rempart de force. Ah non. Paré améliore l'armure de 15% par question. Non, je garde mon bouclier. Ah, par contre, on économise une clé. Ça, c'est bien. Ça, c'est cool. Eh oui. Raijin. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est à distance? Ah, mais c'est un... ok. Non, mais non. On va faire le Corégan. En tout cas, ça fait des dégâts de foudre, d'accord. Ah, c'est intéressant peut-être d'avoir... comment dire? De pouvoir avoir une amélioration de foudre dès le départ et de prendre cette arme dès le départ. Être un test. Hein. Aïe 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 aïe. Ça l'a pas one shot. Attention. C'est trop long par contre. C'est... ah putain mais. Mais ils ont combien de vie putain? Mais tout à l'heure on les tout shoté. C'était tellement fort. Quel combat intense. Enfin, j'ai failli me prendre un dégât n'empêche. Passe l'info, ça coûte rien. C'est un truc de fou, ça fera un gros bide. Mais y'a rien à perdre en soi. Oui c'est vrai, t'as raison hein. Merci Monkey. Merci. Mais t'as tout à fait raison. Rien à perdre. Je déteste. Mais putain, ça met 3 ans. Mais bordel, je joue mal. C'est bon, ça y est là, ça m'a saoulé. Il faut qu'on l'augmente cette arme. Si on doit jouer avec ça, il faut qu'on l'augmente, sinon ça va pas le faire.
C'est pas grave, c'est pas grave. C'est le principe. Le principe. Moulin va augmenter les dégâts des attaques de vent. Ah oui, mais j'ai pas de truc de vent. Ni derrière. Pardon. Pointe de glace. Non. Mini fusée. C'est pas fou, hein. On peut pas reroll ? Y a pas un truc genre reroll là ou je sais pas quoi ? Ah ouais ? J'ai pas débloqué un truc. Ah non, peut-être pas. Mais moi je marche pas assez, mais peut-être ça donnera envie de marcher ça. Non mais en vrai. Attention, casse-toi. Ah des fois je vois pas les murs. Les faux murs là. Arrête, arrête. Un frisbee. Bah écoute, je suis content. J'ai un frisbee. Dégage. Le soin. Qu'est-ce qu'on a de beau ici? C'est quoi ça? Ce signe, ce sigle. Ah, c'est parce que... Ok. J'avais laissé un... Là, il y a un soin. Allons faire le boss. Pas déjà fait? Ah, mais c'est celui-là. Oui, d'accord. Ouais. Quoi? Mais d'où il me touche? Je comprends rien. Oh, je vous assure, des fois je ne comprends pas. Arrêtez, ne m'appelez pas maintenant. Dans le vide. The vide. On s'éloigne. On fait beaucoup moins de dégâts tout à l'heure, hein. C'est terrible. Ça va être beaucoup plus long. Ça veut dire aussi que le prochain boss. Bah, tu fais rien, tu. Voilà. Prendre. Oh là, c'est pas mal cette attaque là. Ah, c'est pas mal ça. Contre lui, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Là. Bien sûr, évidemment. Le timing parfait quoi. Bien relou. Relou man. C'est moi, c'est relou man. Alors. Oh là là, tout à l'heure il était déjà tombé depuis 5 minutes là. Qu'est-ce que tu fais? Ah ouais, ouais, bien, oui, super. Ok, c'est bon. Allez, petite d'air. Mais le gap entre le boss 2 et 3 est dégueulasse quand même. Hein. C'est vraiment trop fort. Ah c'est bon. Ok. Celui-là il est chiant mais il est pas dur. Il est juste chiant. Peut-être que le troisième boss aussi va devenir chiant mais pas dur. Dégâts de compétences. Ok, pourquoi pas. On a 4 bombes quand même. On a 4 bombes, on peut faire péter quelques cailloux. Peut-être pas tous.
Pas tous parce que... Encore un, peut-être. Un Kayals. Celui-là. Trois bombes encore. Ah. Remarque. C'est pas fou. Hein. C'était pas fou. Ça, c'est la secrète. Allez, avançons. En tout cas, ouais, vraiment, le dash, il n'y a pas photo. Hein. This is the good dash. En vrai, rien qu'en ayant le tel en poche, sans sortir, je fais entre 1500 et 2000 pas juste avec les allers-retours entre cuisine, salon, WC et l'étage pour aller fumer. Ça peut aller très vite. Bah, franchement, ok. Je regarderai ça. Le sweat. Sweat. Ah, souvenir. Un refuge. De nombreuses et longues journées d'été ont été passées dans la majesté silencieuse de ce parc. Séance de lecture sous un ciel ombragé, baignade dans le lac, barbecue pendant la nuit. Tout ça me manque tellement. Oh, Cassie. Pauvre Cassie. Mais il est touchant ce jeu, je trouve aussi. Ici, craquer. Pour pouvoir les enchaîner. De loin là, par contre on fait pas de dégâts. Hein. On fait pas de dégâts, ça me va pas du tout par contre. Il faut qu'on trouve une solution. Et vite. Ah ça c'est pas mal. Ça peut être utile en effet. Et si tu poses ton téléphone sur un truc qui bouge comme ça. Sur une machine à laver, par exemple. Tu crois que ça marche ? C'est un dégât, là, c'est ça ? Attention. Putain! Non mais des fois les mobs ils anticipent tes déplacements, qu'est-ce que tu veux que je te... Je peux pas l'annuler. Non, ça n'ira pas loin. Cette run ne pourra pas aller loin, je fais pas assez de dégâts. On dirait que je les tapote quoi. Ah non, c'est mort. Cette arme n'est pas assez... Ouais, enfin... C'est bon ou il y a une secrète là? L'appli prend en compte et le mouvement et le GPS. Ah d'accord, faut laisser tout ça allumé quand même. Mais pourquoi pas? Arc 4. Oui, ça toujours mieux que la gâchette optique toute pourrave que j'ai là. Ok. D'ailleurs, faut que je pense à utiliser les... Oui, bien sûr. Ça m'a fait des dégâts là, vraiment. Ok. Allez, je me concentre. Tel que vous voyez, je suis l'homme concentration. Concentration man, c'est moi. Concentration man.
Ok, calmez-vous. Qu'est-ce que c'est que ça? Libération. Ok. Ah, de la vie. Okay. C'est triché, ça? J'ai rien à foutre. Il y a un petit... En fait, je crois que c'est un compagnon qui balance une espèce de shuriken devant moi quand j'attaque. C'est triché. Attention. Tiens. Ah, si on pouvait augmenter les dégâts, elle est stylée l'arme quand même. Il faut juste augmenter les dégâts. Hein. En fait, comment on peut aller au bout d'une run sans avoir une seule forge? Ça, je comprends pas. Merde, j'aurais dû garder la bombe pour ça. J'ai plus de bombe là maintenant. Non mais non. Arrêtez avec vos... C'est nul. Ouais, ils sont pas cons parce que... Si tu fais du surplace... Ouais mais... Par exemple, si t'es à la salle... Si t'es à la salle et que t'es sur un tapis de course... C'est triché. Bah c'est pas triché justement, c'est dégueulasse. Parce que t'es vraiment en mouvement... En tout cas, t'as un effort, tu sweats. Il y a du sweat. Il y a du sweat dans l'air. Ah si. C'est où? Allez, viens. Mais non, mais... Putain. C'est le problème de ça. C'est que j'atterris là où je veux pas être. Voilà, ok. Si on peut éviter de prendre ce dégât, ce serait bien, merci, cordialement. Bebon. Je prends la bebon. Ah, le marchand, ça c'est bien. On va pouvoir se soigner si besoin. En théorie, c'est bon. Ça comptera un pas sur 10, je crois. Parce que ton GPS n'est pas en mouvement. Ah. 100% de vie, d'accord. Vous immunise contre les fosses rouges. Ah, c'est pas mal. Hein. La vérité, c'est pas mal. Je pourrais presque prendre deux trucs. 10% de récupération de vie. De la vitesse d'attaque, de la vie max. 10% de dégâts et périmètre des bombes. C'est 10% de dégâts des bombes, j'imagine. Barrière de cristal. Ok. Absorbe une attaque, se recharge toutes les 20 secondes. Ah, mais si, c'est bien ça. C'est ma barrière de cristal améliorée. Oui. Je vais pas regarder le deuxième, mais... 5% d'opportunité d'attaque parfaite. Ah, c'est pas mal ça aussi. Déferlement terrestre. Récupération de vie, 25% des coups critiques. Encore faut-il en faire, quoi. Je vais peut-être garder... Je vais peut-être garder pour l'instant de la vie. Je vais garder de quoi acheter une potion. Ça me soigne à 100% quand même. Avant le boss, ce sera pas négligeable. Et merde. Pas réussi. Il est où? Là-bas. Ok. Il fait mal l'arc quand même. Ah, il peut geler, hein. D'accord. Il faut que j'utilise plus. Je me soigne. Des clés, on en a. Allons voir ce qui se passe ici. Raijin 4.
clair que moi, 28 DPS, quoi, je peux pas. Je suis obligé de prendre ça. Je vais tester. Ah, c'est si lent. Ah, c'est beaucoup trop lent en vrai. Je crois que je suis obligé parce que je ferai pas assez de dégâts et ça prendra beaucoup trop de temps. C'est l'histoire d'un streamer malin qui voulait run tous les boss malins avec un stuff légendaire malin. Le streamer malin ne respecta pas les deux premiers boss malins. Il leur roula dessus avec son stuff légendaire malin. Ensuite, le streamer malin fit plus attention sur le niveau 3. Mais tu as quand même le troisième boss malin. Ah, c'est beau. La suite de cette histoire maligne ne sera pas drôle si tout se déroulait bien pour le streamer malin. Il partit en quête du quatrième boss malin en faisant le cake, mais mourut rapidement comme un caca malin. Je rajoute malin parce qu'il manque un malin. La moralité de cette histoire est que l'équipement malin ne fait pas le guerrier malin. Qu'est-ce que tu veux rajouter à ça, Bébert? C'est parfait. Ah, c'est stylé. En vrai, c'est stylé. C'est excessivement stylé, les attaques de foudre. Ah, moi, en tout cas, si on doute qu'il y ait une attaque... Aïe, yeah. Mais quel con. Eh ben, voilà, c'est parti, hein. Au secours. Ah non, il reste, ouais. Vous avez autant des histoires de bébés, hein. Mais oui. Il faut que tu les mettes sur le Discord, hein. Mon petit bébé, hein. Attention, hein. Kilonova, qu'est-ce que c'est que ça? Brûlure, lucidité maximum plus 10%. Ça, c'est le genre de science que j'aime. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ça va pouvoir être étrange, mais j'ai gardé les couteaux. Pourquoi? Parce que ça permet de faire des dégâts. Les couteaux, ça fait des dégâts, promis. Des dégâts aussi aux comment t'appelles ça? Aux invoques, là, qui soignent Conarman. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tout le monde, là? Ah, c'est midi, là, c'est ça. Hein, c'est l'histoire d'un streamer malin. Ah, merde! Attendez. Attends YouTube, je fais une mini pause et toi tu verras rien. Oh YouTube, je t'ai oublié. Alors sache qu'on lui a cassé la gueule. Voilà. C'est tout ce que je peux te dire. Puits de l'âme. Mais c'est ce que j'ai là. On lui a roulé dessus et YouTube, je suis désolé YouTube. J'ai complètement oublié de remettre la VOD, je pense que ça s'est vu. Terrible. Surtout ne m'en veux pas, hein, YouTube. Il y a apparemment un objet au sol ici. Oui. Eh ben, on va regarder ça. Hein. Regardez la bombe. Oh non. Et on retourne niveau 4. Hein. Allez, retournons au niveau 4 et essayons d'aller un tout petit peu plus loin. Non mais attends, mais qu'est-ce qui s'est passé là? J'aurais pu le passer depuis 10 000 ans. Mais l'attaque spéciale quoi. Il est mort, ok. Je suis
suis pas mort. Je prends tout. Remanqui. Elle était easy, j'avoue. J'ai juste raté le boss, sans regret quoi. Non mais le... Ah oui, toi. Aïe. Non mais... Oh là là. Mais c'est quoi qui soigne là? Qui c'est qui soigne? Oh, rien. Oh, mais non mais quel est... C'est quoi ce gap de difficulté? Il meurt jamais. Oh et puis merde. Je faisais un chocolat chaud pour la petite de mes colocs. Et je me refaisais un petit café. Ah, t'es trop mignon. Ah, trop moignon. Bon, ben voilà, super. Hein. Mais c'est quoi ce niveau 4? Allô quoi? Mais qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Bon, en même temps, arrivé au niveau 3 aussi, je me suis fait déboîter. Hein, la première fois. Mais là, j'avoue... Pas mal, hein. Pas mal, hein. J'ai beau être matinal, j'ai mal. Bon, on a peut-être des trucs à débloquer. Faut que je lise, hein, ce que c'est. 75. Il y avait pas des trucs craqués que je voulais débloquer, là? Dégâts infligés par les attaques alternatives? Non. Sable collecté. Dégâts des bombes, on s'en fout. Résistance contre les dégâts des obstacles et des pièges. Ouais, pas mal, mais c'est pas fou. Décès du streamer malin à faire, hein, pof. Oui. Non mais oui, hein. Voilà, hop, le pognon. Oh là là. Ah, c'est le fail un peu, cette... Fernando, papotons un peu, Fernando. Tu aimes les vélos, Fernando? Tu aimes le film, les flims et le vélo? Tu aimes les flims sur le cyclims? Papoton, Eve. Tente d'enseigner à Cassidy la véritable façon de boire un bourbon. Intérêt découvert, l'alcool. D'accord. Qu'est-ce qu'on a de beau ici, hein? Débloque la source de vie dans la descente. Ouais. Ouais, ça ne m'a pas trop servi, hein. Il n'y a pas des trucs craqués là? Du genre des dégâts, de la vie, plus de vie et de sable par niveau. Voilà ça. Voilà. Tout claqué. Eh, ça ferait 5% de vie bientôt. C'est fort. En vrai. C'est pas beaucoup? Si, j'aime le vélo. On m'appelle El Bello Solex. Ouais, tout à fait. Vous pouvez la faire. Qu'est-ce qu'il y a de beau là? Ah, Bruce. T'as des trucs à me dire, Bruce? Parce que moi, si on peut papoter, je suis content. Hein. Ah, Bruce sort un livre et encourage Cassidy à le lire. La lecture. Ah! On peut lui offrir quoi? Rien. Retour. On peut visiblement crafter un truc. Raijin, on l'a fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Télékinésie, pas de projectile? Aucun problème. Prenez un morceau de terre sous vos pieds pour le lancer sur vos cauchemars. Ok. On a combien? 14. Ah oui, attends, il n'y a pas un truc genre craqué là à 12 là? Ah, c'est ça. Plus lent mais plus puissant. Ouais. Ah, ça c'est nouveau aussi. Lorsque vous en avez assez, éloignez le monde autour de vous. Ça enverra les ennemis valdinguer. Ok. C'est rigolo. C'est validé. Disker Zgaze. Je crois qu'il ne faut plus que je fasse de travaux. Je déraille complet.
Mais non, ça va. T'en es où d'ailleurs tes travaux? Tu m'as pas dit ou j'ai pas lu? Si, j'ai pas lu, désolé. Oh non, on va parler à Tamal. J'ai pas envie de parler à Tamal. Ses photos. Il aime la photographie. Ah merde. Je peux paraître mal poli, mais tu n'as pas l'air, dans ton assiette. D'être dans ton élément, ici, à Red Haven. Tu dois venir d'une ville considérablement plus petite que celle-ci, n'est-ce pas? Reste les finitions, ok. Bravo, en tout cas, DG. Tu es optimiste, si tu crois que je viens d'une ville. Je suis de Back Hill. Tu n'as certainement jamais dû en entendre parler. Effectivement. Nous n'avons pas vraiment d'office de tourisme là-bas. On est 4. Je ne me souviens plus du nombre d'habitants officiels. 4, on vient de te le dire. Mais il y a moins de 200 personnes dans toute la ville. Honnêtement, c'est plus un village. Je ne sais pas vraiment comment faire la différence. Cet endroit a-t-il une administration locale? Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Non. Je dois me rendre dans une ville voisine pour pouvoir votre aide. C'est bien un village, alors. Oh! Ah, c'est comme ça qu'on fait? Ça fait de moi une villageoise? Une provinciale? Oui, c'est pareil. Ouais. Nous le sommes tous, au sens strict du terme. Ah bon? T'inquiète pas pour ça. T'es une pouilleuse. Ah bon, ouais. C'est pas grave, alors. T'as l'air de beaucoup plus à l'aise à vivre en ville, toi. Ah, je n'irai pas jusque-là. Ouais. Mais effectivement, je commence à savoir me débrouiller. Les braquages, la drogue, tout ça. Mes parents sont venus s'installer quand j'avais 10 ans ici. Nous vivions dans une ville plus petite avant. C'était pas un village de clodo comme toi, mais presque. Donc, j'ai l'habitude des particularités de Red Haven. Ah, ça fait longtemps que tu vis ici, alors? Oui. Je dois aller à un rendez-vous, là. Et puis, je me fais chier avec toi. Allez, salut. Mais c'était un plaisir de discuter avec toi, bien sûr. Si j'ai besoin d'aide avec quoi que ce soit, ne m'appelle pas. Appelle-moi sur mon numéro que tu n'as pas. Ou envoie un email que je ne t'ai pas donné. Je suis généralement toujours disponible quelques heures après le travail. Oh, merci, c'est très gentil de ta part. Pas de soucis. À la prochaine. Alors, je suis pas un best en maths, mais 4 égale 200, va falloir m'expliquer. Il faut... C'est de la physique quantique. Il faut que tu sortes. Tu dépasses les limites de ton esprit, bébé. Ton esprit est limité. Terrible. Est-ce qu'il y a un truc qui ressemble à un bouquin? Peinture de lointain... Un cahier avec une couverture illustrée. Ouais. Étude du crayon du centre-ville, un bon poème. Illustration, boucle d'oreille, étui. Peinture, poème abstrait. Il aime les poèmes abstraits. C'est bien. Sous-verre artisanal. Parce qu'il peut aimer plus de trucs. Il aime les sonnets fantaisie. Un étui pour bouchon d'oreille. Un étui pour bouchon d'oreille, quoi, carrément. Étui pour... Étude du crayon du centre-ville. Appelle-moi au 06 000 000 006. Appelle-moi au 0666. Non, juste ça. Ça va bien se passer. Peinture du cosmos. Aquarelle magnifique d'un acteur. Ah, on peut le faire. On peut faire une aquarelle magnifique d'un acteur et le filer à Roberto. Est-ce qu'on prend Corrigan dès le départ? C'était pas si mal, hein, mais si on peut l'augmenter, pourquoi pas, hein. Ou alors... Attends, c'est qui fait les dégâts de foudre? C'est Karl. Dégâts d'eau et de foudre. T'enchaîner deux fois plus. Two more fois. Two more fois. Il n'y en a pas un qui fait plus de vie ou je sais pas quoi, là? Ah non, j'hallucinais. Ah, les compétences se rechargent. 36-15 équilibrium. Je suis pas si vieux quand même, merde. J'ai connu, j'avais... Mes parents avaient un Minitel, en vrai. Mais si je suis si vieux alors. Ouais, j'ai connu la fin du Minitel, exactement. Bon, on peut laisser comme ça. On peut laisser comme ça pour la prochaine run. Prochaine run d'ailleurs qui sera... À bientôt, mon cher YouTube. À bientôt. Prends soin de toi, et je te dis à bientôt, et désolé pour le combat,
C'était anecdotique, on l'a défoncé. Parce qu'on a découvert l'attaque spéciale. L'attaque spéciale. Voilà. Allez, bisous. À plus tard. Ah ouais.